Tu as Amina Sané, c'est Chimbo Game, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien. On est sur une bonne lancée d'ouverture de Booster Tops du premier film Pokémon Mewtwo contre-attaque. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir encore une fois un nouveau booster quoi. Je savais pas où j'allais en venir, mais un nouveau booster. On va prendre celui-ci, celui du dessus, et peut-être que la prochaine fois, on ira en piocher un en dessous. Qui sait. En tout cas, je remets la display ici, bien visible. On voit un petit Mewtwo ici. La dernière fois, il y avait aussi un petit Mewtwo, si vous avez remarqué. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir ce petit booster. Ah, le bonheur de tenir un booster entre les mains. Je sais que certains d'entre vous trouvaient ça dommage que j'avais arrêté l'ouverture de booster. Mais me voici avec une nouvelle ouverture de booster. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, encore une fois, pour Noël, je vous ouvrirai des boosters Pokémon. Mais en tout cas, j'imagine qu'après ça... ouais, j'y aura pas trop d'ouverture. Hein. Je prévois une autre ouverture qui n'a rien à voir avec Pokémon. Mais en tout cas, les boosters comme ça, ouais, ça, c'est moins kiffant. Mais là, vu que c'est pas des cartes à jouer, mais des cartes tops, je pense que ça change. Et ça m'amuse. Ça fait 5... Il me semble que c'est le 5e jour et ça m'amuse. Alors, on commence avec cette carte A Call to Arms. Voilà. Ils sont en chemin vers le château de Mewtwo. Ensuite, la deuxième carte qui est une carte les vacances de Pikachu. Peacemaker Pikachu. Ah, Pikachu, le faiseur de paix. Le créateur de paix. Et hop, c'est... qui va gagner, Snubbull ou Carapuce? Ils sont pas contents. Ah, cette carte, elle est vraiment sympa, j'aime bien. On va le mettre ici. Ensuite, la prochaine carte, Mewtwo... Non, Mews times 2. Ah, c'est Mews 2. Et hop, est-ce que... Ouais, hop là Mew... C'est quand Mews se fait cloner. D'ailleurs, Mews, le clone de Mews, c'est le seul clone qui ne se bat pas. C'est le seul clone, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il pense différemment. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite vraiment à le voir. Hein. C'est un super film avec plein de... de points sur lesquels vous pouvez réfléchir. Hein. En tout cas, super film. Moi, j'adore. Encore une planche de stickers qui signifie qu'on a une partie de Mewtwo. Hein. Est-ce que c'est Mewtwo? Non, c'est Sacha. Il y a un deuxième puzzle. Formidable. J'ai pas encore le puzzle de Sacha, donc... il me semblait qu'il y avait qu'un puzzle de Mewtwo. Ça c'est nouveau, je savais pas. Donc on va garder ça ici. Ensuite on a l'holographique qui est la bataille des insécateurs, The Ultimate Match. On voit ici aussi les Rafflesia ici en train de se battre. Ici il y a petit Galopin. Et en tout cas c'est holographique, vous voyez que c'est multicolore, c'est vachement joli. Hop. Puis on a ici la Sableron en train de se battre, c'est petit Pikachu en colère. Grrr. Ah, elle est super jolie, j'aime bien. Ensuite, la prochaine carte, on va mettre comme ça, hein, ici. La prochaine carte qui est Farewell, celle-là aussi on a déjà eu, c'est quand Mewtwo il vole dans les cieux avec Mew, ici. Hop, on a déjà vu, ça commence à faire des doubles. Ce Tempest Bat Omen, on a déjà vu également. On va pas tourner autour du pot. Command We Need Help, celui-là aussi, on a déjà vu. Voilà, bah on commence à tourner un petit peu en rond. Ces deux, ils étaient nouveaux. Celui-là aussi, il était nouveau. J'avais pas celui-là et celui-là. Voilà, celui-là j'avais déjà, celui-là j'ai déjà, celui-là on a déjà également. En tout cas, cette vidéo sera légèrement plus courte que la dernière. Mais c'est pas grave, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi quelle carte est votre favori. Bah évidemment, la holographique et le puzzle avec les stickers de, des Pokémon de la Team Rocket juste derrière. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, etc. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye!